Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bandeko Boboto. Bondeko. Bondeko. Esengo. Est-ce que ça va bien chez vous? Oui, ça va très très bien. Bon, j'aime bien ça, là, qu'on soit hein, tous ensemble, qu'on soit connectés, qu'on se connecte hein, les uns et les autres, mais qu'on se connecte aussi avec ce Dieu qui est vie, qui est amour, et qui vient à notre rencontre aujourd'hui, justement, dans une célébration où il nous dit qu'il est en communion. Lui-même nous dit qu'il est en communion avec nous. Il le dit en ce terme qu'il demeure. Il demeure en connexion avec nous. Donc, vivons cette connexion avec joie, cette communion. Et soyons animés par la vie qui vient de lui, qui est déjà une semence de la vie éternelle, vécue dans nos occupations quotidiennes, vécue dans nos rencontres quotidiennes, chez nous à la maison, et en ce temps de confinement, on rentre tranquillement dans le déconfinement, mais on sait très bien que c'est progressif. Alors, et en même temps, en ce temps où nous avons besoin vraiment de rester dans la relation les uns avec les autres. Que le Seigneur vienne à notre rencontre, qu'il nous aide à vivre cette célébration dans la joie et dans l'action de grâce. Au début de cette célébration, nous sommes en communion aussi avec l'Église du ciel, hein, parce que justement, notre Dieu, c'est le Dieu du visible et de l'invisible. Il embrasse tout cela et nous allons donc nous mettre en communion avec nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la maison du Père. Santa Maria, Zala na biso. Yomo boti wa Nzambe, Zala na biso. Tala lo sambo la biso. Zala na biso. Zala mpe na baye banso, bako bonzela li bonzela salelo. Zala na biso banso. Basantu balikolo. Zala ni na biso. Bino bato bokomono Nzambe. Zala ni na biso. Tala ni lo sambo la biso. Zala ni na biso. Zala ni mpe na baye banso, bako bonzela li bonzela misalelo. Zala ni na biso banso. Nampe bino bankoko babiso. Zala ni na biso. Bino baye bosalela kinze mpe mamolamu. Zala ni na biso. Tala ni losambo la biso. Zala ni na biso. Zala ni mpe na baye banso bako bonzela li bonzela misalelo. Zala ni na biso banso. Et dans cette joie extraordinaire vécue les uns avec les autres et avec l'Église du ciel, chantons la gloire de Dieu. Thank you.
Ma bokoli kolo bandeko to sambela mokonzi. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toko bonde la bongo, Zambia Jesu Christu, mokonzi wa biso, mwana wa yo enzambe, azali na nkembo elongo na yo mpe na elimo santu. Obile kobiso seko. Amen. Nous allons écouter la première lecture tirée du livre du Deutéronome. C'est une expérience très ancienne qui nous est rappelée, celle des fils et des filles d'Israël, le peuple d'Israël, dans sa marche au désert. Comment le Seigneur, l'ayant nourri du pain, nous montre le signe de ce pain comme étant déjà l'annonce de l'Eucharistie. Écoutons attentivement. Lecture du livre du Deutéronome. Nous allons lire au chapitre 8, du verset 2 jusqu'à 3, puis du 14e B jusqu'au 16e A. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'avaient connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement des pains, mais des tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclaves. C'est lui qui t'a fait traverser ces déserts, vastes et terrifiants, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans les déserts, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Bandeko, lilo banyanzambi wana. Tondimi. Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt.
sa parole à Jacob, ses volontés et sa loi à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Écoutons maintenant la deuxième lecture qui est tirée justement de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. C'est un texte assez fort qui nous dit quelque chose de puissant. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Imaginez ce que l'Eucharistie fait de nous. Un seul corps. Dans le Christ. Écoutons attentivement. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons ensemble la parole de Dieu. Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu, alléluia, bonne nouvelle, la parole nous révèle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous révèle. Mokonzi azala na bino azala mpena yo tango elamu lokola santu yoani akomi lokumona yo Christu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père,
De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Lokomunayo. Christo. Lokomunayo. Christo. Lokomunayo. Christo. Alors, voilà encore des passages extraordinaires de la Sainte Écriture qui nous sont proposés aujourd'hui pour cette solennité, hein, fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. La première lecture nous rappelait l'expérience de la manne au désert. Et ce texte, pour voir le lien, la communion, le lien intrinsèque entre ce texte-là, cette expérience au désert, et l'Eucharistie, on voit que dans le texte de l'Évangile, Jésus reprend l'expérience, il la rappelle pour mettre le lien clairement, pour que les gens comprennent qu'il y a un lien. L'Eucharistie est dans cette ligne-là, mais dépasse de loin, magnifiquement, significativement, le premier geste, celui du premier testament, celui de la manne. Voilà. Et le deuxième texte, celui de la deuxième lecture, aussi nous reprend, hein, c'est la première lettre aux Corinthiens, c'est à peu près 25 ans, si on veut, là, après la résurrection, l'événement de la mort-résurrection. Voyez. Et Saint Paul reprend cela. Prend l'expérience de la première communauté chrétienne qui voyait déjà dans l'Eucharistie cette présence du Christ, qui se rappelait, on comprend que la première communauté chrétienne vivait déjà de l'Eucharistie après la résurrection. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a pu les appeler les chrétiens, hein, parce que les disciples du Christ chrétien, chrétienne, parce qu'ils se réunissaient chez eux dans des maisons, ils se réunissaient au nom de Jésus, à cause du message qu'il leur a annoncé et de l'interpellation, du commandement que lui-même leur a donné, « Vous ferez cela en mémoire de moi, le jeudi saint, à la scène. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous vous rappellerez mes paroles et les gestes de don de moi-même à travers ce signe que je vous donne, ce geste sacramentel que je vous donne. Vous vous rappellerez. Et les communautés ont compris cela. Voyez-vous, hein, le texte biblique, comment il nous montre l'importance de l'Eucharistie. Je dirais vraiment, c'est la deuxième chose importante que je voudrais que vous reteniez. La première, c'était de vous rappeler les trois textes, chacun, et puis de les mettre en ligne pour vous montrer qu'ils sont sur la même ligne, sur la même ligne des Écritures qui nous parlent de l'Eucharistie. Il y a d'autres textes qu'on aurait pu prendre pour faire ce genre d'historique, si on veut, là, de l'Eucharistie, mais il y a ces trois-là, importants. Voilà. Et le deuxième point, donc la deuxième affirmation importante, c'est pour vous dire les trois montrent l'importance de l'Eucharistie pour une personne qui veut vivre réellement comme chrétien, pour une personne qui veut vivre dans une relation vraie avec le Seigneur, une relation véritable avec le Christ, avec le Seigneur. Pour une personne qui veut que la présence du Christ puisse éclairer sa vie, pour une personne qui veut que sa vie soit guidée par le Seigneur. Voilà, c'est l'importance de l'Eucharistie pour tout cela. On le voit à travers les textes.
Les textes nous montrent cette importance. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, et c'est par là que je vais finir, hein, je vais droit au but aujourd'hui, là, parce que c'est tellement intense, c'est tellement important. C'est des conséquences qu'on peut tirer de cela. Les considérations ou bien des affirmations qu'on peut retirer de cette importance de l'Eucharistie dans notre vie, vie réelle, dans notre vie en relation avec le Seigneur, dans notre vie en présence du Seigneur, une vie éclairée par le Seigneur, l'importance de l'Eucharistie dans celui qui veut que sa vie soit guidée par le Seigneur. Des affirmations fondamentales. J'en prends une et je sais que vous pouvez en prendre d'autres aussi. J'en prends une première, celle de dire ceci: au cœur de la vie chrétienne, il y a toujours eu l'Eucharistie. Au cœur de la vie humaine, il y a toujours et il y aura toujours l'Eucharistie. Je l'ai dit, voyez, hein, depuis le début, la manne et les gens qui ont suivi après, et les premières communautés, et des siècles depuis que les premières communautés ont vécu jusqu'à nos jours. Mes chers frères, nous sommes dans cette ligne droite. Il y a toujours eu l'Eucharistie au cœur de la vie chrétienne, de la vie de l'Église. C'est de vous montrer que lorsque nous nous réunissons ici, là, virtuellement, nous exprimons clairement l'importance de cette Eucharistie, une importance qui a toujours traversé le cœur de l'être humain, une importance qui a traversé des siècles et des siècles jusqu'à nous. Voyez, hein? Donc, on n'est pas égaré là. Et on comprend très, très bien la demande des gens. Je me souviens quand nous avions commencé ce confinement, les personnes qui m'avaient dit: hey, monsieur l'abbé, il faudrait qu'on trouve une solution là. Il faudrait qu'on puisse avoir. C'est pas moi là, vous comprenez, qui ai eu l'idée au départ. C'est des frères et des sœurs qui ont dit: nous devons nous réunir. Et ce n'est pas un mérite qui vient d'eux-mêmes là. C'est un mérite qui vient de la présence de l'Esprit dans nos cœurs, qui nous rappelle comme il a toujours rappelé aux hommes et aux femmes depuis des générations et des générations l'importance de célébrer l'Eucharistie. Des gens, même en prison, je vous jure, lisez des histoires des saints et des saintes. Vous allez voir comment, par exemple, un Vietnamien, le cardinal Van, qui en prison ne pouvait pas avoir le pain, ne pouvait pas avoir le vin, mais il trouvait le moyen de célébrer l'Eucharistie. Et ça lui manquait tellement, c'était tellement fort, que n'ayant rien, il trouvait le moyen de le faire quand même. Et il y arrivait. Des fois, il passait, c'est sûr, des semaines, sans avoir un petit morceau de pain ou de quelque chose qui pouvait l'aider à célébrer quelque chose, célébrer l'Eucharistie. Mais quand il avait la possibilité de trouver un petit pain ou quelque chose, il le faisait et on le comprenait vraiment. Et on connaît d'autres exemples ailleurs. L'Eucharistie a toujours été au cœur de la vie chrétienne. Si vous ne vivez pas l'Eucharistie, si vous ne célébrez pas l'Eucharistie, mes chers frères et sœurs, il y a un problème dans votre vie de chrétienne et de chrétien. Il y a un sérieux problème. Vous êtes en train de couper ce lien historique. C'est juste à ce niveau-là déjà. Vous vous coupez de la communion historique des fils et des filles de Dieu. Vous avez vu par la suite, hein, quand les frères et sœurs ont dit: ah oui, on va faire l'Eucharistie. Nous avons commencé, on a trouvé les moyens, hein, finalement. On est parti de Facebook, on dit: ah oui, on va faire le Zoom, comme ça on se voit, on essaye de se voir concrètement là pour sentir cette relation. Tranquillement, d'autres personnes ont ouvert aussi, partout ailleurs dans l'Église, des possibilités de célébrer l'Eucharistie. Parce que, comme nous dit le texte de l'Évangile, c'est pour la vie du monde.
Jésus donne sa vie. À travers la célébration eucharistique, nous célébrons Jésus qui donne sa vie pour la vie du monde. Nous ne pouvons pas nous dire en vie, nous ne pouvons même pas vivre si nous ne sommes pas connectés par ce lien de l'Eucharistie. C'est le don de la vie de Dieu. C'est la première chose que je vous souligne bien rapidement. Une deuxième chose que je voudrais vous souligner, il y a un lien intrinsèque entre l'Eucharistie et la charité fraternelle et le lien que nous pouvons vivre comme frères et sœurs. Tu ne peux pas te dire chrétienne et chrétien si tu n'es pas en lien avec tes frères et sœurs. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas célébrer l'Eucharistie, dire que tu es en train de communier au corps et au sang du Christ, les textes bibliques d'aujourd'hui nous le montrent, si je ne peux pas vivre la communion avec mes frères et sœurs. Si je ne peux pas de surcroît être charitable, si je ne peux pas partager avec eux. Parce que l'Eucharistie, significativement, est d'abord un don. Il y a un mouvement de partage du Christ qui se donne, qui partage sa vie de fils de Dieu pour que nous devenions fils et filles de Dieu. L'Eucharistie nous rend nécessairement, essentiellement, des hommes et des femmes de partage. Des hommes et des femmes de dons, de services. Parce que, essentiellement, l'Eucharistie est cela. Le signe de l'Eucharistie, c'est cela. Le geste posé par Jésus est entièrement partage, don de soi. Celui qui communie au corps et au sang du Christ, qui célèbre l'Eucharistie, est appelé à vivre. Cela, avec les frères et sœurs, c'est ce que nous faisons, on partage. On partage parfois même la parole, simplement, nous avons fait cela chaque soir, après la messe de semaine, on partage. Même le dimanche, après la messe, on partage, on se donne des nouvelles. C'est déjà le partage des expériences, le partage de la vie quotidienne des uns et des autres, de la souffrance des uns et des autres. Celui-là est malade, on l'appelle, on se dit, ben celui-là est éprouvé, on l'appelle, on célèbre ensemble, celui-là est préoccupé par ceci. On se préoccupe de ce qui lui fait souffrir. On partage la joie aussi. J'ai vu comment des gens même, pense à moi, ma fille, il y a quelqu'un qui m'a appelé, la mère d'Ashley, qui m'a envoyé un message en disant, monsieur l'abbé, elle a eu 12 ans le 12, il faut célébrer ça là. J'ai dit, oui, on va souligner, on va célébrer l'action de grâce pour elle. Ouais, c'est ça, partager, communier, être charitable, être au service des uns des autres, ça nous vient de l'Eucharistie. Elle-même. C'est sûr que vous allez me dire, ah oui, mais tout être humain peut partager, tout être humain peut être charitable, tout être humain peut être en service, c'est vrai. Mais notre service, notre charité, notre relation fraternelle, notre partage est à l'image du Christ. Trouve son modèle dans le Christ. C'est ça qui fait la spécificité de ce que nous faisons. Parce que nous sommes les disciples du Christ. Parce que nous sommes identifiés à lui. Nous prenons notre modèle de lui. On peut le prendre de partout, là, de la vie du monde ou d'autres choses, mais nous, c'est du Christ, le Sauveur, que nous prenons cela. C'est ça qui fait notre spécificité. Autre chose que nous pouvons dégager des textes, je dirais la vie éternelle. Et je vais arrêter mon propos juste sur cela. Voyez, c'est important. Tout cela doit aboutir dans une recherche de vie éternelle. Parce que Jésus, lui, quand il est venu, je l'avais déjà dit dans une image extraordinaire, il ne nous a pas laissé des maisons, il ne nous a pas laissé des palaces, il ne nous a pas laissé un héritage de quelque chose d'autre. Il ne nous a pas laissé des crayons spéciaux pour écrire, il ne nous a pas laissé du foufou ou de la semoule à manger ou de la viande. Il ne nous a pas... Non. Il nous a laissé un héritage qui est
la vie même d'éternité. Il a fait ça d'une manière assez spéciale. J'ai déjà dit ça une fois. Nabi, ezaleti mutu, donc aye awe pa nabiso, bon, aye na Congo, supposons, aye na Congo, et puis avant, alongo abi, bon, petit natike liyo passeport yango. Après ça, là, nabi yekutu, ache liyo billet d'avion, asombi yango déjà, ache liyo na katia passeport. Non seulement apesio identité canadienne talananu. Donc, okoma na Canada te men, osa déjà na passeport canadien na yo. Na billet d'avion na kati. Ba sombiango penza na date pe ba komi ou ba komite mabi, jour oza la pre, allez. Kende na agence ba komela yo date pe au voyage. C'est ça. Mais c'est parce que il y a une communion, il dit, qui demeure en moi. Donc, quand tu communies à lui, tu demeures en lui. C'est le texte de l'évangile qui le dit, hein. Oh, tu demeures, demeurer en lui. Comme lui, voyez, t'as là. Comment c'est assez intéressant de voir ça là. Lui qui est venu du Père, il nous dit que le Père demeure en lui. Et ça dit, lola. Donc, c'est ce qu'il dit, hein. Ayenase, et puis, alobi, le Père est en moi. Dans une communion tellement spéciale qu'il y a Zawana. Et de la même manière, vous comprendrez que, na minute, on a pas le passeport canadien, vous commis, pas citoyen à lola. Passeport du ciel. Donc, déjà, si vous communiez à moi, vous avez un akati. Vous avez déjà un passeport nabino, identité nabino, un billet d'avion. Vie éternelle, yango et alola. Vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est ça qui est extraordinaire. Lorsqu'on lit le texte de l'évangile, on le comprend très bien. La vie éternelle nous est donné à travers l'Eucharistie. Tu ne veux pas communier, tu ne veux pas aller à l'Eucharistie. C'est impossible. Tu ne veux pas célébrer l'Eucharistie. Ça ne sera pas possible, tu ne pourras pas. Il faut rentrer dans cette relation eucharistique, dans ce vécu eucharistique, communier à la vie du Christ et de cette manière se destiner à l'éternité de Dieu. Voilà le mystère de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Un mystère qui vient nous rejoindre dans la vie même, notre vie chrétienne depuis des siècles, qui nous inscrit dans l'histoire des siècles. On a synthèse dans ça. Il y a une idée forte au Nabimissilélo. C'est ça, dans l'histoire, une Eucharistie qui nous inscrit dans une vie de communion entre Bissot. Deuxième lecture de l'Obakiamo, très très bien. Dans une communion entre Bissot, on est ensemble, on est en communion, une communion de partage, de charité, de service les uns et les autres. Mais Talananou, une Eucharistie qui nous inscrit dans une éternité. Nous sommes déjà destinés à la vie d'éternité lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de grandes lignes qu'on peut tirer de cette fête extraordinaire. Mais je vous propose juste ces trois-là. Restons attachés à l'essentiel. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne en tout cela. Amen. La parole de Dieu nous permet de dire notre amen, amen, ça veut dire merci, merci. Donc d'accord. Et c'est ça, hein, notre profession de foi, c'est dire oui, nous sommes d'accord avec tout ça. C'est la parole de Dieu qui nous permet de nous refixer en cela. Ensemble, disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père de Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et descendu aux enfers. Le troisième jour ressuscité de mort, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Oui, la parole de Dieu, en nous permettant de confesser notre foi en Dieu, nous permet aussi de reconnaître que nous avons des limites, que nous ne sommes pas toujours ajustés à cette communion de vie et d'amour. Et donc, nous pouvons demander. Que Dieu tout aimant, Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Andeko Boboto. Bondeko. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est comme ça que Jésus faisait. Hein? Il arrivait, il disait la paix soit avec vous. Hein? C'est sa manière à lui de saluer, de rentrer, parce que c'est ça. Sa présence apporte la paix. Oui, nous avons été libérés de nos manquements, de nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés, les frères, les uns avec les autres, pour former une vraie communion. Et manifestons cela, au moins en nous saluant, en nous donnant cette paix-là, qui vient de Dieu lui-même. Hein? La paix. Alors, la paix, ça fait du bien, non? C'est ça, exactement. Et Dieu en est heureux. Voilà. Ça lui permet de voir que nous sommes en communion avec ce qu'il veut vraiment de nous. La paix soit avec vous, mes chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons offrir les prières, nos prières les plus profondes pour nos frères et nos sœurs. Dieu a fait jaillir en nous la communion par l'Eucharistie que nous célébrons. Tournons-nous vers lui, adressons-nous nos demandes. Ma prière devant toi s'élève comme de l'encens, s'élève comme l'offrande du soir. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population,
Seigneur, comble-nous de ton amour. Ma prière devant toi s'élève comme de l'encens et même comme l'offrande du soir. Papa, ouvrez votre micro. C'est bien. Allez-y. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions le Seigneur. De ma prière devant toi, t'élève comme de l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Pour l'Église appelée à rassembler tous les croyants et croyantes, et à faire communion dans les sacrements de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme de l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent des crises majeures, prions le Seigneur. De ma prière devant toi, s'élève comme de l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme de l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Et offrons des intentions personnelles que nous portons dans notre cœur, dans un partage fraternel, dans la communion des uns et des autres, des expériences de joie comme des expériences difficiles. Nous pouvons offrir des intentions. Je pense notamment à Ashley, justement, que nous avons vu tout à l'heure, qui a célébré ses 12 ans. Je pense aussi à une amie, une religieuse, qui a célébré 82 ans hier. Pour son anniversaire de naissance. Pensons à nos malades. Dans notre communauté virtuelle, il y a des gens qui sont malades. On prie pour eux. Et nous avons aussi des membres de nos familles qui sont malades. On peut les offrir pour que la communion qui nous relie les uns aux autres, la force de la vie de Dieu qui est en nous, puisse aller brûler toute maladie, la faire disparaître pour qu'il se rétablisse pleinement. Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous allons maintenant offrir le pain et le vin, l'Eucharistie. En nous rappelant de ces paroles, vous ferez cela en mémoire de moi.
Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Toko bon de la bongo. Zambia Jésus Christ, mokonzi wabiso, mwana wayo enzambe, azali nankembo elongo na yompe na elimo santu. Obile kobiso seko. Amen. Mokonzi, azala na bino. Azala mpe na yo. Botombola mitema epai ya Nzambe. Botomboli yango epai ya ye. Botondo. Nzambe wa biso solo ebongi se bongo. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les humains habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère. Nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Thank you.
es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Mokolobakangakie, ami pesipe, antimi koyo kampasi, akamatilipa, atontio, abukiliango, apesibaye kolibaye, alobi. Kamatani, boli ayango bino banso, eye zalito toyangai, nako kabayango poyabi. Oh, Christu, yon zambe, yon mokondi. Yesilisi bango kolia, akamati penkeni. Atondio lisusu, apesi baye kolibaye, alobi. Kamatani, bomele yango bino banso, eye zalike niya makila mangai, makila mabondeko bwa sikampe bwa seko, makoso panampo ya bino, mpempo ya bato banso, nanti nante, Ozu aboli bisi bwa masu, o sala kaboye, mpo ya kokani sanga. Oh, Christu, yo zambe, yo mokondi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, ses auxiliaires Tom et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, et sur nos malades, sur les personnes qui célèbrent leurs anniversaires, on pense à Ashley, on pense aussi à sœur Claudette. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen.
Unis dans le même esprit et avec confiance, avec amour, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au les siècles des siècles. Amen. Dieu libère, qui nous porte à vivre pleinement et qui vient de Dieu. Mon Père, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie pour la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons, en cette occasion toute spéciale, où, évidemment, sachant que nous ne pouvons pas communier sacramentellement, mais nous pouvons communier spirituellement, je vous inviterai à vivre ce moment de manière très spéciale et significative. Et nous allons ensemble, de là où vous êtes, chez vous, à la maison, lire la prière de la communion spirituelle. Et nous allons la lire lentement en l'intégrant dans notre être le plus profond, dans notre cœur, dans notre esprit, ensemble. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque hôtel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme
et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours uni à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi et que je vive et meurs dans ton amour. Amen. Amen. Colo bandeko to sambela mokonzi. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toko bonde la bongo. Zambia Yesu Christu, Mokonzi wabiso, Mwana wayo enzambe, Azali na kembo elongo na yompe na elimo santu. Obile kobiso seko. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout aimant, Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.